Bonjour, mon nom est Joannie Asselin et bienvenue à cette nouvelle capsule éducative. Aujourd'hui, nous recevons Sylvain Asselin. Bonjour. Bonjour, Joannie. Alors, de quoi viens-tu nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de la fameuse petite tortue à oreilles rouges qui est tant populaire et tant vendue en animalerie. La petite tortue que, anciennement, qu'on pouvait acheter à l'animalerie pour pas cher, les gens achetaient ça, mettaient ça dans un petit bocal, les enfants s'en occupaient pendant une semaine, après ça, ils s'en occupaient plus, ils étaient tannés, la saleté poignait là-dedans, les enfants se mettaient les mains dedans, les mains à la bouche après, et paf, on attrapait la salmonelle, des cas de salmonelle dans les hôpitaux. Depuis ce temps-là, ça a été réglementé beaucoup. L'importation de tortues ne se fait plus de la même façon. C'est beaucoup réglementé maintenant, ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus chers, moins accessibles, et les animaleries aussi sensibilisent plus les gens au niveau de l'environnement qu'une tortue que ça prend. Okay. Okay? Parce qu'il faut dire que la salmonelle, c'est une bactérie assez dangereuse. C'est elle qu'on retrouve dans le poulet. Quand on est malade, finalement, on mange du poulet, il n'est pas bien cuit, et qu'on est malade, c'est on vient d'attraper la salmonelle. Sauf que chez la tortue, la salmonelle est encore plus virulente. Je vous ai amené ici Michael Angelo. C'est une tortue à oreilles rouges, la même petite que vous avez vue en animalerie, mais un petit peu pas mal plus grosse. Les tortues, en général, ont un mauvais caractère. Et il faut faire attention. Ils ont la bouche très tranchante. Ils n'ont pas de dents. C'est des lamelles osseuses. Je vais essayer de faire ouvrir la bouche. On le voit. C'est des lamelles. Il faut être vite, par exemple. C'est des lamelles osseuses. Ça coupe beaucoup. Le dessus de la tortue, on appelle ça la dossière. Ici, on appelle ça le plastron. Et le plastron peut nous indiquer aussi si c'est un mâle ou une femelle. Habituellement, les tortues, si le plastron il est droit, vraiment droit, on mettrait la tortue sur un mur et le plastron toucherait tout au mur, on a une femelle. Le mâle est toujours creusé par l'intérieur. C'est pas dur à tenir. Quand il vient le temps de l'accouplement, il faut que le mâle embarque par-dessus la femelle. Donc, le creux épouse un peu la forme de la carapace de la femelle. Et c'est que chez plusieurs tortues aquatiques, comme c'est le cas pour la tortue oreille rouge, les griffes aussi, contrairement chez nous, les humains, où c'est les femmes ont les ongles longs, puis les hommes ont les ongles courts, c'est le contraire. Le mâle va avoir des ongles exagérément longs, qu'on ne doit pas limer idéalement, qu'on ne doit pas couper. La meilleure façon, c'est de mettre dans le vivarium des grosses roches, puis là-dessus, en se promenant dessus, ils vont les user eux-autres même d'une façon naturelle. En parlant du vivarium, c'est quoi qu'il faut dans la cage? Ça prend... Je vais la mettre ici. J'espère qu'elle ne bougera pas trop, Michelangelo. Ça prend un grand vivarium. On parle d'un aquarium seulement au moins... Je vais la serrer. On prend un vivarium au moins de 4 pieds. Puis on parle d'un aquarium de 48 gallons ou 72 gallons, à l'intérieur duquel on va mettre un bon système de filtration et qu'on va mettre à remplir à moitié d'eau et laisser une place à la surface de l'eau pour qu'elle puisse sortir. Ces tortues-là ont besoin de sortir de l'eau. Ils ont besoin de se dorer, de se faire chauffer. Pour les faire dorer, se faire chauffer, on peut toujours mettre des lumières. Des projecteurs comme ça, avec, ça prend absolument une lumière radiante qui, idéalement, contient des UVA, UVB qui sont vendus en animalerie, des spots. Comme j'en ai ici un infrarouge si on décide de la laisser allumer plus longtemps. Et on a aussi les lumières claires qui se vendent en animalerie, exprès pour les reptiles. On peut aussi mettre un néon avec des rayons UVA, UVB. C'est le 5.0 qui est recommandé dans le cas de la tortue. Les tortues Joannie au Québec, on en a beaucoup. Hein. Je ne sais pas si tu le sais, on a 9 espèces de tortues. J'aime ça en parler, même si ce n'est pas souvent un sujet, j'aime ça en parler. Pourquoi? Parce que je considère qu'on a à peu près les plus belles tortues au monde au Québec. On a la tortue peinte dans nos lacs, on a 8 espèces de tortues. La tortue à oreilles rouges, est-ce qu'elle est ici ou... Oh, c'est une bonne question, Joannie. Moi, je te parle de 9 espèces. Par contre, il y a certains livres qui vont parler de 10 espèces. La tortue à oreilles rouges, c'est une espèce qu'on appelle limitrophe. C'est une tortue qui vient du sud-est des États-Unis. Okay, jusqu'en Floride. Et puis, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont acheté en animalerie, ils ont eu petite, ils ne savaient plus quoi faire avec quand elle était grosse, les animaleries n'en veulent plus. Fait qu'ils se sont mis à les remettre dans les lacs. Okay. Fait que dans la région de Montréal, on peut en trouver. Dans la région de Gatineau aussi, on peut en trouver. Le problème, c'est que ces tortues-là vont manger les œufs de nos tortues. Okay? Et aussi, vont manger les algues. Ils sont plus fortes que nos tortues. Ils vont repousser nos tortues. Mais ils ne peuvent pas vivre longtemps. Théoriquement, ces tortues-là peuvent passer 1, 2, 3 hivers. Après ça, ils ne seront plus capables de survivre. Ils ne sont pas assez. Ils n'ont pas le système fait pour notre climat. OK. Qu'on a au Québec. Et pourquoi oreilles rouges, tortue oreilles rouges? Bien, simplement à cause de ces petites marques, je vais la ressortir. Ils l'ont appelé la tortue oreilles rouges. Il y en a plusieurs variétés qui ressemblent énormément à ça. On va voir quand elle sort la tête, on va voir ces deux tempes qui sont rouges. La tortue, en passant, a une très, très, très bonne vision. Très bonne vision. Puis, on peut aussi, à partir de la queue, tantôt, j'en ai pas parlé, à partir de la queue, on peut savoir si c'est une petite queue comme ça ici, mais là, elle a rentré. Absolument, c'est des femelles, les mâles vont avoir la queue un peu plus longue et le cloaque va être un petit peu plus loin chez le mâle. Ça s'applique aussi aux tortues terrestres, ça. Je vais en serrer parce qu'elle graffine beaucoup.
À ce temps, pour la nourriture, qu'est-ce que ça mange, oui, ces tortues-là? Ces tortues-là sont pratiquement omnivores. Ça mange un peu tout. Dans la nature, en réalité, ils sont plus charognards que omnivores, je veux dire, parce qu'ils vont manger tous les animaux, les poissons morts. Et vite, Sylvain, c'est quoi qu'on lui donne en captivité? Bien, en captivité, on va lui donner de la moulée exprès qu'il va en animalerie pour les tortues et de la moulée à truites. OK. En petite quantité, parce que ça sent mauvais. OK, bien, merci beaucoup, Sylvain. C'était très intéressant. On se revoit lors de la prochaine capsule éducative.